Bonjour et bienvenue pour ce nouveau JT du mois de juillet. Et pour célébrer les grandes vacances, Sortir en vidéo a décidé de vous faire découvrir un JT très original, spécial été. Et nous avons décidé de partir en mer avec l'un de nos partenaires qui a le bateau, le Picardie. C'est avec un grand plaisir que nous allons ensemble suivre à travers le JT spécial été, un événement unique et original organisé par la société Movint Events. D'abord, pour commencer ce journal, nous allons vous présenter les titres. D'abord, nous allons accorder la première partie de notre journal à nos partenaires qui ont renouvelé pour ce mois-ci. Ensuite, nous allons vous présenter les nouveaux arrivants dans notre groupe Sortir en vidéo. Enfin, nous allons vous présenter le capitaine du bateau, le Picardie, qui nous expliquera ce qu'il propose comme activité sur son bateau. Bien sûr, nous accueillerons celle qui ce JT ne serait pas possible, Alexandra de Movie Events, qui nous expliquera son organisation et ses activités. Comme nous l'avons présenté dans les titres précédemment, la première partie de ce journal est dédiée à tous ceux qui ont renouvelé pour ce mois-ci. Nous allons découvrir un extrait vidéo du renouvellement du mois de juillet avec Cavart à Castelnau-le-Lez, la cave à vin. Rappelez-vous de Monsieur Bertossi, Marco, ancien maître sommelier de la Tour d'Argent à Paris, qui était notre invité du mois dernier dans notre JT, qui nous avait fait découvrir sa cave à vin avec ses conseils prestigieux et précieux pour le vin. Sunset Relooking à Jacou, centre de minceur, vous accueille cet été pour prendre soin de vous et vous faire belle pour aller à la plage. Que vous soyez homme ou femme, elle saura vous rendre beau et vous rendre belle. Nous allons redécouvrir sa nouvelle vidéo. Bienvenue chez Sunset Relooking à Jacou, où Jeanne et son équipe vous accueillent dans leur centre entièrement spécialisé dans la minceur, la beauté et le bien-être. Dotés d'un équipement efficace à la pointe de la technologie, nous sommes en mesure de vous offrir des résultats à la hauteur de vos espérances. Dans un second temps, nous allons voir un extrait vidéo des nouveaux partenaires qui viennent de rentrer dans notre groupe Sortir en vidéo. Le roi de la lame, surnommé par les plus grands, la finesse de la lame, Boris Design. Salon de coiffure artistique et tribale pour hommes, femmes et enfants. Chez Boris Design, c'est mon royaume. Tu vois, tout ce qui se passe, c'est le concept. Ah, merci. C'est bon ? Number one. Allez, bon courage. De coupe à feu, antillaise et toutes les coupes généralistes. C'est le premier salon artistique. Ici, on prend que des artistes. Tout le monde, on peut nous ramener tout ce que vous voulez, on le fait bien. Vous ramenez des dessins, on les reproduit sur la tête. Vous ramenez n'importe quoi, on va le faire. Je vais vous présenter Walid. Comme je travaille en équipe, et c'est le melting pot. De l'autre côté, il y a Jeff. Alors, nous sommes chez Boris Design. Voici un fidèle client, Yanis. Il vient souvent se faire coiffer. Il veut des coupes design, des dessins tribales. Donc s'il y a des clients qui veulent se faire coiffer, ils viennent directement chez Boris Design pour faire des coupes. Coiffure américaine, coiffure simple, toutes sortes de coiffures on réalise ici.
Donc ici, nous sommes des artistes. Moi, je fais mes études sur Perpignan. J'habite sur Montpellier. Et moi, rien que pour me couper les cheveux, je prends le train le vendredi, je vais me couper et je rentre à Perpignan. En fait. Ouais, exprès. Ouais, depuis toujours. Si vous voulez personnaliser des vêtements, tissus, accessoires textiles avec les dernières technologies d'impression comme de la broderie, l'impression directe et plein d'autres techniques, BVA Broderie, c'est répondre à vos attentes. Que vous soyez professionnel ou particulier, mais pour mieux comprendre, nous vous invitons à voir la vidéo après cet extrait et nous rencontrerons Alexandra de Movie Advance qui nous expliquera ces événements qu'elle organise tout au long de l'année. Je me présente, Alain Benoît. Nous avons commencé avec Véronique, ma femme, dans un garage. J'ai quitté la fonction publique pour me mettre à mon compte dans la broderie. Donc nous avons commencé dans un garage, on a été vite débordés. Nous sommes passés après dans un petit magasin de 20 mètres carrés. Après nous sommes passés dans un local de 100 mètres carrés. Nous avons du travail, nous visons la clientèle de qualité qui répond aux normes européennes, bien sûr. Que vous soyez professionnel, association ou particulier, BVA trouve une solution à votre marquage textile. Nous proposons à l'atelier différents marquages comme la broderie, l'impression numérique, le flocage et l'impression directe. Également aux entreprises, nous proposons toute une gamme de textiles professionnels allant du médical, en passant par les garages, les travaux publics ou tout autre métier. Nous proposons également tout un service de bâches publicitaires sur mesure et d'autocollants, de stickers. Bonjour Jérôme, oui. Vous êtes le capitaine du bateau Le Picardie. Bonsoir. Et sortir en Videroure aimerait savoir quelles sont les journées, qu'est-ce que vous proposez comme activité en journée sur votre bateau? Qu'est-ce qu'on propose? On a plusieurs activités. Nous proposons des sorties pêche tous les matins, où là on touche un public un petit peu familial, où vous venez découvrir un petit peu notre activité principale. Sinon, l'après-midi, des sorties à la voile, où on propose de très belles sorties avec un arrêt baignade sur la mer. Vous avez aussi des sorties barbecue qui sont proposées tous les mercredis et jeudi soir, avec le petit arrêt baignade aussi, le coucher de soleil et l'apéritif en soirée. D'accord. Est-ce que les activités restent accessibles pour les familles? Oui, tout sauf les soirées qui sont un petit peu réservées pour les couples et pour le clientèle plutôt jeune. Voilà. D'accord. Je vous remercie et on va continuer cette soirée en découvrant toutes vos activités. Merci beaucoup. Nous sommes en présence de l'équipage du catamaran Le Picardie. Donc pour compléter les dires de votre capitaine, pouvez-vous nous dire l'activité et l'ambiance qu'il y a sur le Picardie? Une très bonne ambiance. Il me fait rire. D'habitude je dis bien, mais il me fait rire. Mais encore. Mais encore, vas-y, chacun son tour. Il y a une très bonne ambiance, hein. Il y a du beau monde. Et voilà, on est là. Ça bouge. Ah ouais, ça bouge, on s'amuse. La musique elle est bien. Bien. Coucou! Papa, maman, je t'aime! Je t'aime! Bonjour Alexandra et Fabien, merci de nous avoir accueillis ce soir pour cette soirée et cet événement unique sur Montpellier. Merci à vous de nous honorer de votre présence. Merci. Et nous voulions savoir quels sont les autres événements que vous organisez tout au long de l'année. Alors les autres événements, c'est simple, je travaille aussi avec des entreprises, donc avec des comités d'entreprises où on organise tout ce qui est séminaire, arbre de Noël, gala de soirée, etc. Je travaille aussi avec le particulier c'est tout ce qui est anniversaire, enterrement de vie de célibataire, mariage, communion, baptême, entre autres, voilà. Et je travaille aussi avec certains établissements de la nuit pour booster certains établissements, after work par exemple, tout type de soirées. L'année dernière j'ai organisé des soirées Zumba, buffet, des soirées pour célibataires. Et cette année justement je recommence avec les soirées pour célibataires. Donc ça s'adresse à vous si vous êtes célibataire. Avec des ateliers de coaching, en fait, on va vous apprendre comment séduire une personne de sexe opposé. Voilà. Et on va donner aussi quelques conseils pour rencontrer l'âme sœur. Parce que si on veut rencontrer la bonne personne, il faut savoir s'ouvrir à soi avant de rencontrer l'autre. Donc voilà, je vais travailler avec des coachs de vie
qui vont former les gens par rapport à tout ça. Comme ça, les gens, quand ils sortiront des séances, bah, ils sauront comment ça se passe pour séduire une personne. Ils auront la confiance en eux. Ils sauront comment il faut s'habiller, le gestuel, les mimiques. Ils sauront tout de A à Z. Et donc, ça se passera au Phare, à Palavas, dès fin septembre. D'accord. Donc en fait, vous organisez des soirées pour toute personne, tout type de personnes. Je m'adapte en général à tous les événements. Je suis polyvalent. Que du bonheur. Et vous, Fabien, quel est votre rôle dans cette entreprise fabuleuse que Movie Advance? Disons, moi, j'aide ma fiancée, ma future femme. On se marie l'année prochaine. Félicitations. Merci. Voilà, donc après, bon, je l'aide dans tout. Vous la suivez dans tout son parcours et vous êtes là pour la soutenir dans cette belle aventure. Voilà, c'est ça, exactement. Et ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus et je vous dis à très bientôt. Mais avant, j'allais oublier, mais avant de terminer, Alexandra, on va partir ensemble et vous allez nous faire découvrir vos invités. Voilà, c'est ce que j'allais proposer. Alexandra, je vais vous laisser le micro. Oui. Vous allez voir vos invités et vous allez nous présenter votre soirée. D'accord, merci. Merci. Alors, bonsoir, je vous présente Sandra. Bonsoir. Alors, Sandra, c'est la deuxième fois qu'elle revient parmi nous faire la fête à bord du catamaran. Et je vais la laisser prendre le micro pour expliquer pourquoi elle est revenue une deuxième fois à bord du catamaran faire la fête. Bonsoir, oui, c'était une première soirée très agréable, une ambiance et une convivialité sur ce bateau. On se prend vraiment pas au sérieux et c'est vraiment génial. Il fait vraiment bon vivre sur le bateau et pour le coup, c'est pas la première fois que je viens et je reviendrai encore. Et aujourd'hui, je suis venue avec mes amis parce que tiens vraiment à le faire partager et c'est à faire, voilà. On vous invite à venir. Alors, je vous présente Jimmy. Enchanté, bonsoir, Jimmy, voilà. Donc, je vais lui poser quelques questions. Donc, comment tu as pris connaissance des sorties en catamaran, Jimmy? Eh ben, tout simplement parce que j'ai vu un fly lors d'une balade avec des amis. Et ensuite, en voyant The Fly, j'ai dit c'est une superbe idée que le vendredi, à la sortie du boulot, qu'on puisse aller s'éclater avec ses amis et venir à bord d'un bateau et passer un moment un peu magique, voilà. Une très bonne idée. Merci à toi de nous honorer de ta présence. Ben merci. Moi, je suis venu, j'ai une vingtaine d'amis, presque une trentaine. Et s'il y avait un peu plus de place, on serait un peu plus nombreux. Mais bon, voilà, hein, ça sera pour les vendredis prochains et le suivant, voilà, jusqu'à plus soif, quoi. Alors, je crois que Jimmy, ce soir, a quelque chose de particulier à nous dire. C'est que je vais le laisser prendre la parole et expliquer. Voilà, en fait, c'est très simple. En fait, j'ai un ami qui a fait venir de Chine des lampions. Donc, c'est assez connu. Et ensuite, ces lampions, en fait, on voudrait les faire partir depuis la mer avec des messages. Avec ces lampions, on veut juste envoyer des messages d'amour, de prospérité. Et puis, voilà. Et puis, juste le fait de passer un moment avec des amis et puis d'avoir un petit spectacle un peu rigolo sur un bateau. Et voilà, tout simplement. C'est juste magique de les voir partir en l'air. Et voilà, en plus, ça, c'est au niveau sécurité, il n'y a aucun problème. Donc c'est inufugé, c'est du papier, après c'est du bambou, c'est biodégradable et puis voilà, c'est complètement écolo et ça se passe bien, voilà. C'est la question que je voulais te poser justement, si c'était écologique, parce qu'on m'a posé la question et moi-même je me posais la question. Donc c'est bien que tu aies répondu à la question, je te remercie. Ouais, de rien. Tu veux dire encore un petit mot? Eh bien écoutez, venez nombreux, hein, parce que je vois pas d'autre solution pour passer un bon moment. Donc voilà, venez nous rejoindre à bord. Quand vous voulez, on est là. Merci. Merci, bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas. Enchanté. Alors, je vais leur laisser prendre la parole. Je vais leur laisser expliquer pourquoi ils sont venus ce soir et d'où ils viennent. Voilà, je vais laisser la parole à Nicolas. Écoutez, merci pour la soirée. En tout cas, c'est la première fois qu'on vient ici à la Grande Motte. On vient spécialement de Nice pour cette soirée et j'espère qu'on va en faire beaucoup d'autres parce que c'est vraiment sympathique. Le cadre est somptueux, le coucher de soleil sur la gauche. On va se baigner dans un petit moment, boire l'apéro, on est entre amis, en famille, impeccable, tout va bien. Merci en tout cas pour cette soirée. Oui, merci beaucoup, en effet, très beau cadre, très beau bateau et puis on passe un super moment, franchement, vraiment. À recommander parce que c'est vraiment exceptionnel quoi. Il faut le souhaiter vraiment, ça n'a rien à voir avec une autre expérience, hein. Il faut vraiment le vivre quoi. Il faut vraiment venir parce que c'est vraiment extraordinaire. Un petit anniversaire, un petit truc comme ça, c'est vraiment à faire, recommander obligatoirement.
Bien Cyrielle. Ah oui, je suis tout à fait d'accord, oui. Oui. Tu as mis ton maillot de bain, Cyrielle. Bah, bien sûr que j'ai mis mon maillot de bain, là. Tu vas nous faire voir. Allez, je vous montre. Voilà. On va se baigner. Ouais, non, franchement, une idée super originale. C'est vrai que ça change des soirées classiques qu'on peut vivre ici. Bon, après, on est vite limité. Soit c'est la paillote, soit c'est le bar. Donc là, c'est vrai que c'est intéressant. Boire l'apéro sur la mer. On va se baigner, il fait beau. L'ambiance est sympa, il y a de la musique. Merci à vous en tout cas d'être venu ce soir et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci beaucoup Alexandra et nous allons terminer ce JT par une petite baignade.